Bonjour à toutes et à tous, on est de retour à notre sujet aujourd'hui, c'est le Samsung A12 ou le M12 sous la version Android 11. Alors, on va vous montrer comment enlever le compte Google ainsi que le code PIN sur cet appareil. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, commençons, vous mettez votre appareil sur un réseau Wi-Fi et là, l'appareil va vous demander automatiquement de mettre ce code PIN ou bien ce fameux compte Google ou identifiant Google. Et là, comme vous allez voir, on va procéder au déblocage. Donc, je vous conseille de me suivre étape par étape sans rater aucune de nos étapes. Alors là, vous appuyez sur volume haut et bouton power pour y mettre votre appareil en mode palback en dessinant bien sûr la lettre L. Là, vous choisissez option 1, autoriser. Voilà, comme vous voyez, là, vous avez deux choix. Alors, vous avez deux choix. Vous utilisez le choix numéro 2 ou bien le deuxième. Dessinez encore, si ce n'est pas encore sur l'assistant Google, dessinez encore la lettre L. Appuyez sur choix 2 et vous dites Google Assistant. Alors, vous dites à haute voix Google Assistant, puis appuyez sur cette case-là. Et là, vous écrivez youtube.com. Si vous ne pouvez pas le faire directement, vous appuyez encore une deuxième fois sur le bouton volume haut et bouton power pour désactiver le mode talkback et pouvoir continuer votre manip tranquillement. Alors, une fois vous êtes sur la page, ou bien la page YouTube, vous appuyez sur « À propos » tout en bas pour pouvoir accéder à la page YouTube et la page de recherche par la suite. Donc, vous choisissez « Historique et confidentialité », puis vous appuyez sur « Accepter » et là, vous aurez une page de recherche Google. Alors, ce qu'on va faire là, c'est d'aller sur la page de recherche, puis sur un site qui nous offre le téléchargement de Galaxy Store. Bien sûr, c'est à travers Galaxy Store qu'on va télécharger l'application de déblocage. Voilà, j'ai mis accepter ou bien suivre. Je choisis le choix de Galaxy Store. Là, si votre Galaxy Store n'est pas à jour, il suffit de cliquer pour le mettre à jour et de répéter ou bien de recommencer la manip. Là, je clique sur mise à jour. Ça va mettre mon Galaxy Store à jour, puis je reprends la manip de nouveau. Une fois c'est fait, vous cliquez une deuxième fois sur Galaxy Store, comme je viens de dire, et ça va vous mettre sur l'écran application tout en bas. Donc je clique sur accepter, puis il y a l'application, ou bien il y a l'option, pardon, application. Et là je cherche l'application Alliance Shield X. Vous trouvez les références ou bien l'application complète de cette application au-dessus de la vidéo. Donc, il suffit de consulter la fiche de description. Là, votre appareil vous demande de mettre un identifiant Samsung. Vous pouvez créer un
propre à vous. Sinon, vous pouvez connecter, pardon, juste avec votre compte Google à vous. Donc là, ce que je vais faire, c'est de mentionner mon compte Google à moi pour pouvoir continuer ce déblocage. Alors, je mets mon compte Google à moi, Cyber Solution, et puis j'accepte les conditions. Alors, une fois sur la rubrique Application, vous trouvez Alliance Shield. Il suffit de la télécharger. Ça prend 1 minute ou 2, il suffit d'être patient. Après, vous pouvez redémarrer cette application pour pouvoir terminer le déblocage de votre appareil et avoir l'accès au menu. Voilà, là je suis sur l'application Alliance. Donc, je fais Next ou Suivant, ça dépend de votre version. Vous devez créer un compte et l'activer sur un deuxième téléphone. Automatiquement, vous ne pouvez pas l'activer sur ce téléphone, donc vous devez utiliser soit un deuxième téléphone, sinon un PC pour pouvoir accéder à vos emails. Ça nécessite d'activer l'application avec un lien. Donc, vous pouvez le nommer, sinon vous passez directement au suivant. Vous activez ces options, puis vous faites suivant à chaque fois qu'il vous demande de mettre ou bien de passer à l'étape suivante. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'activer cette application. Et comme je viens de dire, vous devez avoir un PC ou un deuxième téléphone portable pour pouvoir aller sur vos emails. Si vous n'avez pas déjà l'identifiant de cette application, donc vous avez le choix entre créer un identifiant et entre connecter directement si vous avez déjà l'identifiant de cet appareil. Après, vous faites configuration d'Android, vous arrêtez l'application, vous videz les données, WIP application data, vous faites oui. Puis vous faites la même chose avec les services de Google. Voilà, je mets Google, service Google Play, choix 2. Je fais la même chose, activation, forcer l'arrêt et vider les données. Voilà, donc après Android configuration, vous faites ça avec les services de Google Play. Puis vous passez sur la configuration du Samsung, comme vous allez voir. Je fais configuration. Pardon, la configuration d'Android. Pardon. Donc vous commencez avec celle du Samsung, puis Google Service, puis vous passez à celle d'Android. Donc vous faites forcer l'arrêt, vider les données, puis vous retournez en arrière. Sur activation, puis sur activité. Et là, vous choisissez l'option 1 et vous faites ouvrir ou open. Et là, vous aurez directement cette page-là. Donc, il suffit de suivre les instructions sur votre appareil ou bien sur votre écran pour arriver à l'installation complète de votre application. Donc les applications sont à installer, il suffit de suivre les instructions sur notre écran.
Donc là, je suis en train de sauter les options qui ne sont pas très importantes. Donc pour accélérer l'installation, donc je peux sauter ce qui n'est pas très intéressant pour l'instant. Ou bien ce que je peux l'installer, le réinstaller plus tard. Et là, j'ai terminé l'installation. J'ai terminé l'installation de mes applications. Là, il suffit de suivre les flèches sur votre écran. Voilà tout. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous, que vous arrivez vous aussi à débloquer vos appareils. Je vous dis merci pour votre visite et à la prochaine vidéo avec le Samsung A30 et A30S. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.